Good morning, Aleid, and tu seras aujourd'hui le Lunishmat Morid Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Batraim Nechemia, ce qui est dire Fouat, Avraham Uri ben Reut, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Horayot, Perek Gimel, Mishnah Hey. Kohen Gadol Porem Milemata Veha Ediot Milemala. Kohen Gadol Makriv Onen Velo Ochel Veha Ediot Lo Makriv Velo Ochel. Depuis la Mishnah précédente, on a commencé à comparer différents Kohanim. On a parlé dans la Mishnah précédente des différences entre le Kohen Gadol Mashuach et le Kohen Gadol Merubé Bgadim, des différences entre le Kohen Gadol qui a été oint par l'huile d'onction de celui qui n'a pas été oint par l'huile d'onction, le Kohen Gadol et le second. On a parlé des différences. Du coup, on va jusqu'à la fin du Perek, du chapitre qui va être la fin du Seder Nezikin. On va faire que comparer des rangs sociaux entre le Kohen Gadol et les autres Kohanim, entre les hommes et les femmes, les Kohen, le Lévi, le Israël. On va comparer comme ça pour toutes les prochaines Mishnayot. Pour notre Mishnah, on va se concentrer à comparer des différences qu'il y a entre le Kohen Gadol et un Kohen Hediot. Kohen Hediot, c'est un Kohen simple. Hediot avec un He, et à ne pas confondre avec le idiot avec un Aleph, qui est tout simplement un idiot en hébreu moderne. Hediot, c'est un simple. Normal. Donc, la Mishnah nous enseigne Kohen Gadol porem milemata veha Hediot milemala. Littéralement, le Kohen Gadol déchire son vêtement par en bas, tandis que le Hediot, il le déchire par en haut. De quoi on parle précisément? Il y a dans la Mishnah, dans la Torah, Parashat Emor, les mitzvot des Kohanim, les mitzvot du Kohen Gadol particulièrement aussi, et là-bas, et rosho lo yifra, ou vgadav lo yifrom. Sa tête, il ne laissera pas les cheveux pousser. On avait appris qu'il avait un devoir de se couper les cheveux une fois par semaine, le Kohen Gadol. Et en plus de ça, il n'a pas le droit de déchirer ses habits. De quoi on parle lorsqu'il n'a pas le droit de déchirer ses habits? La Mishnah enseigne, concrètement d'abord, il n'a pas le droit de déchirer ses habits lorsqu'il doit porter un deuil. Pour les gens qu'on a le devoir de s'endeuiller, les parents, les frères et sœurs, enfants, loa, les nous, shelon, et da. Alors, il y a un devoir de déchirer les vêtements, une mitzvah de déchirer les vêtements, ce qu'on appelle la kri'a, déchirer le vêtement. La Torah l'a dit à propos du Kohen Gadol, « Gadav lo yifrom », il n'aura pas le droit de déchirer ses vêtements. La Mishnah vient de préciser, attention, quand je dis qu'il n'a pas le droit de déchirer, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de déchirer comme tout le monde. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un qui fait la kri'a, qui déchire ses vêtements pour un endeuillé, il le déchire au niveau du cœur, dans la partie haute, près de l'épaule, comme ça rapporte dans le Barthénora. Eh bien, le Kohen Gadol, lorsque la Torah lui interdit de se déchirer les vêtements pour son deuil, elle ne lui dit pas que tu n'as pas le droit de déchirer tout simplement, elle lui dit que tu n'as pas le droit de déchirer comme tout le monde. Soit, tu auras le droit de déchirer en bas, par exemple. Il aura la mitzvah de faire la kriya, de déchirer les vêtements, mais en bas, sur le bas de sa tunique, pas au niveau du cœur comme tout le monde, mais plutôt en bas de la tunique, là-bas, il la déchire sur une longueur d'un tefar, j'imagine, comme c'est la halakha qui est prescrit. Donc ça, c'est Kohen Gadol porem milemata, le Kohen Gadol déchire par en bas, sa tunique par en bas pour faire la kriya, veha hediot milemala, tandis que le hediot, le Kohen simple, lui pourra déchirer en haut. Il n'a pas du tout de restriction. Il est comme tout le monde. Ensuite, Kohen Gadol makriv onen velo ochel, veha hediot lo makriv velo ochel. Là, on va s'intéresser à la période de la aninut. La période de la aninut, d'abord dans la halakha de manière générale, sans d'abord parler de cette aninut particulière de laquelle on parle dans le Mishnah. La aninut, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la aninut. Ça pourrait être traduit par le deuil, mais en réalité, ce n'est pas le deuil. Lorsque le défunt décède, alors les proches parents, maintenant, deviennent ce qu'on appelle onen. Une sorte de deuil, pas vraiment deuil, qui est une période où ils doivent se concentrer uniquement à se dépêcher d'aller enterrer leur mort. Depuis ensuite, le moment où ils vont enterrer leur mort, va débuter ce qu'on appelle la velout, les 7 jours de deuil. Ça signifie qu'en réalité, s'ils mettent 4 jours pour l'enterrer, et bien ils ont eu 4 jours de aninout et 7 jours ensuite de deuil. Ça implique quoi dans l'aninout? Concrètement, vous devez sûrement connaître ça à la chôte, vous avez déjà sûrement dû voir autour de vous, que pendant toute cette période, ils ont pas le droit d'accomplir des mitzvot, aucune mitzvot. Ils doivent se concentrer uniquement sur leur mort. Même pour manger, ils mangent sans bracha. Et c'est très complexe. Et à la chôte, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'aninout. Selon la Torah, la ninout ne dure pas autant de temps, elle dure un seul jour, le jour du décès, qu'on enterre ou qu'on n'enterre pas le mort. Et il y a des halakhot très particulières sur cette période de la ninout, c'est celle qui est imposée donc par la Torah. La Mishnah
Maintenant, on va venir nous préciser par rapport à la haninout du Kohen et du Kohen Gadol. Il y a une halakha que lo achalti memenu be'oni, il y a marqué là-bas dans Parashat Kitavo, qui n'a pas le droit de, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit, un Kohen n'a pas le droit de manger de la trouma lorsqu'il est onen. Il est triste, et ça c'est même lorsqu'il est endeuillé. D'accord, on n'a pas le droit de manger de la trouma. Ça, c'est pour l'interdit de manger. Maintenant, par rapport à l'interdit d'apporter un korban, alors la Torah nous précise dans une paracha de Shmini, qu'on va expliquer tout de suite c'est quoi, là-bas elle nous précise, on déduit là-bas de Psukim, que le Kohen Gadol, il a le droit d'apporter un korban lorsqu'il est onen, pendant cette première journée du décès. Il a le droit d'apporter le korban, d'offrir, de monter un korban, mais il n'aura pas le droit de manger le korban. Tout ça, c'est explicite dans la Torah. Dans quel paracha? Dans Shmini. Lorsque Aaron à Cohen, lorsqu'on a inauguré le Mizbeach, il y a eu malheureusement la triste histoire de Nadav et Avihu qui ont apporté un feu étranger dans le Kodesh HaKodeshim. Il y a eu, et là-bas ils sont morts sur place, ils ont été foudroyés, il y a eu du feu, deux Amoud Esh, de petites colonnes de feu qui leur sont entrées par les narines, qui les ont brûlés de l'intérieur, et ils sont morts. On a ici le cas de la Haninout de la Torah. Là-bas, Moshe Rabbeinu est parti à reprocher à Aaron, pourquoi vous n'avez pas mangé le korban, il fallait manger les korbanettes, tout ça. Là-bas, Aaron rétorque et lui dit, mais non, il ne fallait pas que je mange le korban. Je pouvais l'apporter, mais je ne pouvais pas le manger, parce que je n'ai pas le droit, puisque je suis onen. Comme ça, il a répondu. De ce passage qu'on apprend, d'une part, que le Kohen Gadol a le droit de faire un korban, même lorsqu'il est onen, dans la journée où son mort est décédé, mais que malgré tout, il n'aura pas le droit de le manger, de le consommer. À la différence du Kohen Idiot, qui n'aura le droit ni de faire le korban, ni de le consommer. Et donc c'est ce qu'on a écrit dans la Mishnah ici. Kohen Gadol makriv onen velo ochel. Le Kohen Gadol offre un korban lorsqu'il est onen, donc cette période de première journée du deuil, du défunt. Et velo ochel, mais il n'aura pas le droit de manger le korban. Veha Idiot, tandis que le Kohen Idiot, lo makriv velo ochel. Ni il a le droit d'offrir le korban, de le faire, de l'égorger, ou de verser le sang, ou de faire une quelconque avoda. Sa avoda, elle est interdite, il n'aura pas le droit de servir. Et ni même, velo ochel, il n'aura pas non plus le droit de consommer, lui non plus, bien évidemment, de consommer les korbanot lorsqu'il est onen. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.